Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de vous. Durant mes années de consultation, il y a une phrase que j'entends très très souvent, que vous me dites souvent. C'est « j'ai une bonne intuition, mais je n'ai pas de don. Je ressens des choses, mais je ne suis pas voyant. » Alors est-ce que vous avez déjà ressenti un événement avant qu'il n'arrive? Pensez à une personne qui vous a appelé à ce moment-là. Ou bien vous avez fait un rêve, ou avez eu une vision diurne, et c'est arrivé peu de temps après. Est-ce que vous avez déjà contacté quelqu'un parce que vous pensiez à cette personne à ce moment-là et que effectivement cette personne n'allait pas très très bien et avait besoin de vous? Ou bien une petite voix qui vous disait de ne pas faire quelque chose et puis vous ne l'avez pas écoutée et baf, vous êtes planté. Cette petite voix avait raison. Celle-là, on l'a tous faite. Si vous reconnaissez dans tout ça, c'est que vous avez une sensibilité exacerbée et que vous avez un don. Génial, je suis sûre que vous êtes content de le savoir. Bon alors, l'idée est de vous donner des clés pour développer et canaliser votre don et de faire la différence entre votre intuition et votre autosuggestion qui vous suggère ce que votre volonté aimerait que les choses soient. Par contre, je suis vraiment désolée pour vous, j'ai une très mauvaise nouvelle. Vous pourriez avoir la plus grande sensibilité du monde, être la personne la plus douée, rien ne peut évoluer sans pratique. Vous pourrez recevoir toutes les clés et les secrets de l'univers. Si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Alors, ou effectivement, vous avez des aptitudes extraordinaires que vous ne gérez pas, ça continuera. Ou vous avez une sensibilité que vous avez bien étouffée comme ça, elle restera où elle est. L'intuition est comme un muscle. Plus vous l'entraînerez, plus elle deviendra puissante. Et si vous ne vous en servez pas, elle s'atrophie. Donc, le mot du jour, c'est pratiquer. C'est d'ailleurs de cette manière que Einstein serait parvenu à ressentir le continuum espace-temps, qu'il mit ensuite des années à démontrer scientifiquement. Dans une lettre à un ami, il explique que l'intuition, intimement liée à l'imagination, est la seule voie menant aux idées et aux découvertes. Il a écrit « Un bond se produit dans la conscience et la solution vient à vous et vous ne savez ni comment ni pourquoi ». L'intuition était si importante à ses yeux qu'elle était pour lui la seule chose qui vaille au monde. Et c'est d'ailleurs aussi à lui qu'on doit cette magnifique citation, que j'adore. « L'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Alors pratiquez et commencez à vous fier à votre intuition. Faites-lui confiance. Parfois, vous saurez la décrypter et vous aurez raison. Et parfois, ça ne marchera pas. Mais c'est comme tout. Même dans ce domaine, il faut du temps et de l'expérience pour apprendre à utiliser correctement votre don et augmenter votre état vibratoire. Mais si vous ne lui laissez pas de place, il ne pourra pas évoluer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une petite notification à la publication de chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière. À très très bientôt !